Bonjour, alors je suis Pauline Goyard et bienvenue pour une nouvelle semaine de session Adobe sur YouTube. Et si vous êtes sur YouTube, je vous invite à nous rejoindre sur Behance. Vous savez qu'on a les deux. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Molly Fernix. Bonjour Molly. Salut, merci beaucoup de me recevoir. Merci à toi d'être là. Alors avant que tu te présentes, j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien? Voilà. Et Alexandre va vous partager le lien Behance pour que vous nous rejoigniez sur Behance. Vous savez que c'est plus pratique et on peut regarder votre travail si vous avez un portfolio sur Behance. Comme ça, on peut vous stalker un peu pour voir si c'est intéressant ce que vous faites et peut-être vous inviter à faire une session, on ne sait jamais. Alors Molly, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Molly, j'ai 27 ans, je suis graphiste depuis 3 ans, depuis un an et demi à mon compte, et je fais beaucoup de gifs, comme dit dans le titre, et sinon je fais beaucoup d'illustrations, j'ai travaillé sur du print aussi, plein de projets divers et variés. Ok, et écoute, on va regarder ça. On va lancer le partage d'écran. Et pendant ce temps-là, je dis bonjour à tout le monde. Bonjour Jordan, Mélocoton, Delphine, Mélanie, Daniel, Greg. N'hésitez pas à passer de l'autre côté. Il y a pas mal de gens sur YouTube aujourd'hui, alors venez de l'autre côté. Et alors c'est parti. On est sur ta page. Dis-nous ce qu'on voit. Je pense qu'on peut commencer par le travail perso, tant qu'à Ouais, faire, carrément. avant de passer sur le pro pour comprendre un peu d'où vient tout ça. Donc ça, c'est, j'ai pas encore de site web, il est en préparation pour la rentrée, du coup on est sur mon Instagram pour voir un peu les illustrations que je fais. J'ai une palette qui est très colorée et très pastel, comme on peut voir. Je fais beaucoup d'illustrations de femmes, je mets beaucoup les femmes en valeur parce que c'est le féminisme me tient beaucoup à cœur, c'est une des causes pour laquelle je me bats tous les jours. Donc du coup, on retrouve beaucoup de body positive, tout ce qui est aussi contre la précarité menstruelle, si ça veut bien se lancer. Alors du coup, c'est quoi la précarité menstruelle? C'est quand même pour les personnes qui sont menstruées, c'est quand même un très très gros budget. Quand t'as pas forcément l'argent pour t'acheter des serviettes réutilisables ou une cup, au fur et à mesure des années, ça commence à faire un peu un budget. Ouais. Et donc du coup, en France, je crois qu'il n'y a que la LMDE pour le moment qui rembourse une partie aux étudiants. Mais sinon, c'est à nous de gérer tout ça, quoi. Voilà, un véritable plaisir. Donc c'est une des choses. Ça c'est un Et sticker la double peine, tu vois, double. Ouais, en plus genre. déjà que c'est pas un plaisir. Tiens. En plus et en plus tu dois t'acheter des trucs qui en plus sont mauvais pour la santé parce que tant qu'à faire autant tout mettre. Et ça c'est d'ailleurs un sticker que j'ai dans ma boutique. J'en parlerai plus tard. Et globalement c'est ça mon travail en fait. C'est beaucoup de choses positives parce que je Enfin, en fait, généralement, c'est des choses que je me dis à moi-même, ce que je partage. Donc, du coup, si je peux faire sourire les gens ou donner un peu de confiance aux gens juste en voyant un post, c'est mon but. Ouais, carrément. Ça, t'as commencé il y a combien de temps à faire ce truc positif Je pense quand je suis. En fait, je suis commencé. Tant qu'à faire, je raconte un peu mon parcours. En fait, j'ai Ouais, fait carrément. Je fais un BTS graphisme à Lyon, print, et après je suis montée à Paris pour faire une dernière année multimédia à l'EPSA. Merci. Attends. Et très rapidement, en fait, je suis rentrée en agence en tant que graphiste, et je suis restée un an et demi dans cette agence. Je comptais y rester un peu plus longtemps, mais en fait, dès que je suis commencée à y rentrer, ce qui était une très bonne expérience, c'était une toute petite agence, du coup il y avait deux autres créatifs qui m'ont beaucoup appris, qui étaient quasiment là depuis 10 ans, donc j'ai beaucoup beaucoup appris avec eux. Mais direct en fait j'ai commencé à développer des projets à côté, genre j'ai commencé à développer ma boutique Etsy et tout, et j'ai commencé sérieusement à me mettre à l'illustration, chose que je faisais pas forcément trop avant. Et en fait c'est tout a démarré en fait avec des en fait avec mes Avec mes stickers, qui en fait, c'est là en fait, j'ai commencé un peu à trouver ce style et à faire ça. Avant, ils étaient C'est cool. coupés à la main.
Genre, j'avais des cloques aux doigts à force de les couper à la main. En fait, je les ai lancées. C'est trop bien. Ouais, j'ai lancé ma boutique vraiment avec 20 euros de budget. Clairement, j'avais du papier autocollant et du recouvre-livre de chez Emma. C'est Ah, c'est trop bien. tout. Cool. Là, enfin, je venais de commencer à travailler. Je ne pouvais pas forcément mettre genre 300 euros comme dans une machine que j'ai actuellement. Et du coup, c'est là, en fait, je commençais à faire des trucs autour, par exemple, du jeu vidéo qui a une bonne place dans ma vie et à mêler ça avec du féminisme. Il y a ça, c'est un ancien sticker, le Notorious No Opinion, qui est de Friends, qui a beaucoup marché. C'est grâce à lui, je pense, que la boutique a bien démarré. Et du coup, voilà, Attends, c'est... c'est un petit utérus qui fait un doigt? Ouais. Mais c'est trop bien. Il n'existe plus, il est plus dans la boutique, Des malheureusement. collecteurs, ouais. Il n'a pas milité. J'avais fait une collection de vêtements avec Bisbee, je crois qu'il y avait un utérus aussi. Mais voilà, en fait, du coup, j'ai commencé. C'est là vraiment que mon style a commencé à se développer. Et ensuite, ça s'est tellement développé qu'en fait, à un moment, je pouvais plus gérer les deux. Je pouvais plus gérer. Je faisais des projets en freelance à côté. Et du coup, fin 2018, j'ai fait le choix de partir à mon compte. Et j'y suis toujours. Donc, je pense que c'était une bonne décision. En tout cas, je regrette pas. Ça m'a amené plein de jolis projets. Et donc, du coup, ouais, ça, c'était. J'avais commencé à faire des stickers comme ça. Et quand je suis passée à mon compte, j'ai un peu upgradé le game. J'ai acheté une machine à découpe qui s'appelle une Cricut. Du coup, D'accord. je fais tout moi-même maintenant de A à Z. Trop bien. Et du coup, voilà. Ça, c'est ma petite boutique Etsy. Mais il Ouais. y a majoritairement que des stickers. Il y a aussi un pins qui est la version du sticker Game Boy qu'on a vu avant. Donc voilà, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Ah, c'est chouette. Tu fais fabriquer où un pins? Alors, je suis passée par un middleman, c'est-à-dire une entreprise qui les fait faire par une autre usine pour être sûr qu'il y avait une bonne production. Mais majoritairement, ils se font tous en Chine. Je crois qu'il n'y a pas d'usine en Europe. Tout se fait en Chine. Donc, du coup, ça met du temps à se faire et c'est un peu cher. Mais ça valait le coup, franchement, il est tout mignon. Ouais, tu dois en faire des grosses quantités ou c'est possible de faire. Je crois que c'est à partir de 100, je n'avais fait 150, un truc. Ok, ouais, du coup c'est possible. Ouais, carrément, donc t'es pas obligé Ensuite, d'en de faire faire des 1000. pins. Ouais, c'est ça. Encore heureux, sinon j'en aurais encore plein sur les bras. Et voilà, du coup, maintenant j'ai cette petite. Oui, merci. J'ai cette petite boutique qui est, franchement, c'est ce que je préfère faire en tant que freelance, en fait. C'est clairement pas le truc qui me fait vivre, clairement. Mais en fait, juste le fait de. Je pourrais très bien les commander moi-même, et tu vois, genre les recevoir déjà faits et juste les renvoyer après. Mais j'aime tellement le côté manuel de genre les imprimer soi-même, les tester l'impression, tester les papiers. J'en ai testé tellement des papiers, genre pour voir la qualité et tout, faire les photos soi-même et tout. En fait, c'est ce côté manuel qui me manque un peu quand je fais des projets, genre des stickers et tout, enfin des gifs, donc forcément. J'aime Ok. trop. Ouais, tu trouves l'équilibre maintenant. Ça, C'est c'est ça. cool. C'est trop bien. Exactement. Et à côté, du coup, aussi, quand j'étais en agence, j'ai commencé à faire des gifs, des stickers gifs, Ah! les fameux pour. Au début, je les faisais pour moi, en fait, clairement, parce que ça me faisait marrer. C'était un nouveau. J'avais un peu appris l'animation lors de mon dernière année de cours. Du coup, j'ai commencé à. On va démarrer aux origines. Descendons. Ah, du coup, attends, s'ils sont sur Giphy, ça veut dire qu'on peut les utiliser comme. Exactement, tu peux les utiliser en story, Insta et Snapchat. Je crois que c'est Waouh! Snapchat Trop bien! aussi. J'en ai vu un tout à l'heure se balader sur TikTok. J'étais là, genre, quoi? Donc apparemment, c'est Ah, c'est dispo. drôle! Et du coup, comment on fait pour s'en servir si j'ai envie de dire, genre, tiens, vas-y, Bah, tu est-ce vas que dans. si je tape ton nom, on te trouve ou. Alors normalement, tu sais, c'est dans la barre de recherche Ouais. de GIF. Normalement, tu peux juste. Avant qu'il n'y en avait pas trop, tu faisais at Molly Fernie. Ok. Tu avais tous les GIFs, mais maintenant, il y en a trop. Donc du coup, il faut juste écrire Molly, plus loin Fernix, parce que je mets des hashtags dessous pour les retrouver. D'accord. Et tu les as tous. Et donc du coup, ça, c'est les tout premiers que j'avais fait, parce qu'il fallait 10 pour faire certifier son compte. Ok. Et ça me faisait juste marrer, en fait. Je trouvais ça mignon. J'avais pas fait ça dans un but particulier. Et j'en ai continué à en faire très vite. En fait, c'était assez satisfaisant de voir, genre, t'as des millions de vues tous les jours, genre, ce qui est quand même cool de se dire ça.
Et bah, au fur et à mesure, il y a des gens qui ont commencé à me contacter pour en faire et me payer. D'accord, ok. Je trouve ça extraordinaire. Et du coup, C'est fou. bah, j'ai commencé à en faire de plus en plus jusqu'à que, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, je pouvais plus suivre et du coup, je suis partie juste en free. Ah, on a un début de débat de Ah. Irina qui dit, on prononce GIF ou GIF? Moi, je dis GIF, je suis désolée. Je crois que c'est Okay. GIF, mais j'aime bien dire GIF, je ne sais plus. Ouais, je crois qu'on va. Je suis désolée pour le C'est sacré comme pain au erreur. chocolat et chocolatine cette histoire. Ouais. Le monde sait que c'est chocolatine, on va pas se mentir. Ouais, Meuf du Sud-Ouest. Et du coup, voilà, du coup, maintenant j'en ai fait plein, 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 plein. Ça, c'est que mon travail perso, par contre, qu'on voit là. Je montrerai plus tard ce que j'ai fait pour des clients. ok. Et du coup, maintenant j'ai 3 milliards de vues. Je crois que je les ai passées hier. Wow, Donc, c'est fou. ça fait beaucoup de vues. Je crois que le plus connu, c'est celui-là. Qui a beaucoup, beaucoup. Ouais. Il a 701 millions de vues. Mais en fait, c'est incroyable parce que j'ai l'impression de bosser dans la créa depuis 15 ans et de découvrir des métiers de créa encore. Tu vois, je me dis, C'est mais vrai? oui, évidemment qu'il y a des gens qui les fabriquent, c'est GIF, Mais c'est GIF, tu vois. ouais, parce que t'as pas le nom, en fait. T'as pas de possibilité de retrouver, tu sais, quand tu mets sur Instagram, t'as pas le nom de... Ouais, je m'étais dit que c'était un truc interne à Instagram, tu vois, que eux, ils faisaient leurs collègues comme ça. Je m'étais pas dit que c'était des. Tu pouvais être free et balancer tes trucs. T'es pas obligé d'être free pour te créer une page. Je crois qu'il faut pour te créer un compte créatif Giphy, parce qu'il faut être certifié en fait pour qu'il soit visible sur Instagram. Ok. Et je crois qu'il faut genre un portfolio. À mon époque, c'était comme ça. J'avais dû fournir portfolio et Instagram, un truc comme ça. C'est juste ce que j'avais fait pour ma copine Tiffany. Et voilà. Parfois, ce que je fais, c'est aussi quand je dois faire des stickers pour ma boutique Etsy, je les balance d'abord sur Giphy pour voir si ça fonctionne bien. Et genre, si je vois que ça part bien, celui-là, il avait bien fonctionné, je me dis, bon, Ouais. il y a quelque chose, autant faire. Et du coup, parfois, je fais des thèmes, parfois, je fais juste du pain et des croissants, ce que j'avais envie. Ça me faisait rire. Et de la raclette aussi. C'est vraiment, là, pour le coup, il n'y a pas de but particulier. Des stickers de Noël. Et là, les derniers que j'ai faits, je les ai balancés la semaine dernière, c'est des stickers autour d'un jeu vidéo qui s'appelle Apex. Personne n'en avait fait, du coup, j'ai décidé de les faire. Du coup, voilà, c'est. Ok, trop bien. Est-ce C'est. qu'il y a une rémunération qui est mise en place par Giphy ou c'est juste pour la gloire? Non, c'est clairement juste pour le. Bah, Oui, pour soi, hein. c'est marrant, mais tu vois, si tu dis que tu as des milliards d'utilisations, tu... ah, ce serait bien les mecs d'avoir... Il n'y a pas de rémunération, mais ça sert. Enfin, moi, je pense que tous les clients qui m'ont contacté m'ont trouvé sur ça, en fait. Donc, D'accord. ça, c'est un autre portfolio, en fait. C'est Ouais, c'est du coup, c'est une visibilité qui est... grave. Je pense que ça m'a permis de bosser avec plein de gens cool. Du coup, voilà ce que je fais en Bah travail carrément. perso. Bah du Les coup, est-ce qu'on rebondirait pas sur tu nous montres ton travail pour des clients? Ouais, comme ça, carrément. on peut voir le lien. Je t'ai dit, j'ai pas encore de site web, j'ai tout bien classé dans des petits Allez. dossiers. Bon, j'ai fait une sélection de clairement ce qui était le plus intéressant à montrer, parce que clairement les trucs trop corpo, on s'en fiche un peu. Mais il y a beaucoup de GIFs, parce que du coup, forcément, c'est mon fond de commerce, mais j'ai quand même fait des trucs assez cool. L'un de mes premiers projets en tant que free. Clairement, ça faisait 2 semaines que j'étais à mon compte. Il y a Bisbee, marque de vêtements française, s'il y a des gens qui connaissent pas, qui m'avait contacté pour leur faire une collection pour le 8 mars, pour la Journée internationale des droits des femmes. Trop cool. Ça, c'était très stylé comme projet. Et c'était très, très sympa. Du coup, on a fait des t-shirts. Donc, d'où le petit utérus avec son petit doigt d'honneur, C'est trop bien. qui était Et tout du coup, comment ça s'est passé avec eux? Ils t'ont laissé liberté totale. Tu Ils vois, ont. c'est... Là, tu rentres dedans, quoi. C'est trop bien. Bah, ils ont été très très cool pour le coup. Ça s'est fait très rapidement par contre, parce qu'on était début janvier et ça devait sortir bah, du coup début mars. Donc, assez short. Et ils m'ont fait venir très rapidement à Lille pour tourner des vidéos et qu'on se rencontre et qu'on.
Ah, je crois que tu glitches. Attends, c'est moi qui glitch. Ah, je sais pas. Écoute. Mais je suis toujours là. Bon, ça va. Je crois qu'on est encore là. Et du coup, ouais, ils m'ont fait venir à Lille pour qu'on en parle. J'avais déjà des brouillons et tout. Et d'ailleurs, on a tourné une vidéo où ils m'ont demandé, ça fait combien de temps que tu travailles à ton compte? J'ai répondu 2 semaines avec un grand sourire. Mais ah, en plus, elle est drôle. Plus 2 semaines, et c'était ça. Ah, ok, nous sommes très rassurés. Bon, en soi, ça faisait genre plus de 6 mois parce que j'avais créé mon activité bien avant de partir de l'agence. Mais bon, donc du coup, voilà, on a créé des t-shirts et ils ont été très très cool. Ils m'ont vraiment laissé une liberté totale. Vraiment, j'ai pas du tout été ralenti sur quoi que ce soit. Et en fait, du coup, on a fait un travail autour de la main. Je voulais faire la main qui médite, la main, le petit doigt. Celui-là, il est un peu à part, mais bon, il y a quand même une question de doigt d'honneur. La main, on voit pas très bien, c'est juste deux meufs qui sont comme ça. Les meufs qui se soutiennent entre elles, forcément un beau doigt d'honneur. Le peace. Voilà, beaucoup de doigts d'honneur. J'étais très énervée quand j'ai fait ça. Donc voilà, et du coup, il y a des. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on a fait aussi, forcément, on a fait une planche de stickers qui veut pas s'afficher, qui va vouloir s'afficher. Et du coup, les stickers, c'était vendu par Bisbee aussi, c'était eux qui ont fait Tout un. était en fait, ouais, tout était vendu dans leur boutique en fait. Ok. Moi, j'ai juste fourni les designs et après ils se sont occupés de la vente, de la production et tout. Ok. Est-ce que je peux? Voilà. Donc du coup, il y avait aussi une petite planche de stickers, forcément, qui reprenait tous les visuels. Parce que je voulais au moins qu'il y ait un produit qui soit accessible à tout le monde, parce que les pulls, c'était genre 20. Je sais plus combien ils étaient, mais c'était quand même un petit budget. Et du coup, je voulais au moins qu'il y ait un article, genre à 2 € que clairement tout le monde puisse prendre. Donc voilà, avec les belles petites étiquettes Ah, c'est cool. du projet que j'ai gardé en souvenir. Je crois qu'il déguise. Je crois que j'avais mis une photo de moi dans la boutique. Parce que du coup, forcément, je suis allée la voir en boutique, en vrai, Bah ouais, carrément. avec une amie. Du coup, ça a fait tout drôle, franchement, ça fait tout drôle de voir son travail. Et j'ai reçu des photos et tout. Là, j'ai mis. Parce que en plus, tu vois, ils ont fait ça bien, c'est que c'était un vrai bail Molly Fernix et Oui, clairement, ils n'ont pas pris. En plus, c'était cool de prendre une petite créatrice. Qui sortait de nulle part et de la mettre en avant. C'était très sympa de leur part. Je sais qu'ils ont fait ça avec d'autres filles aussi. Il y avait une nouvelle collection pour cette année pour le 8 mars. Ok. Et du coup. Et ils ont trouvé comment, ouais? À travers tes gifs, tes gifs? Sur Instagram, je crois qu'il m'a Ok. dit. Je sais plus du tout. Mais là, je pense que c'était via Instagram parce qu'il n'y avait pas question de gif. De gif. J'ai le Ouais. doute maintenant. Non, mais moi aussi, je sais plus quoi dire. Donc du coup, voilà. Ça, c'était un de mes projets vêtements. J'ai fait d'autres t-shirts et tout, mais franchement, Bisbee, c'était très sympa. Je recommande. Très 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 bon client. Après, en est-ce que la vidéo va se lire? Oui. Après, en gif, un de mes premiers clients. Et un encore de mes clients actuels avec qui j'ai bossé beaucoup bossé, c'est Capital One, c'est une grosse banque, je suppose, aux États-Unis. Ok. Voilà, que clairement, tu te retrouves un matin dans tes Sans mails. transition, allez. Ah, j'ai ma cam qui glitch. Mais du coup, c'était quelque chose aussi de bosser avec eux. Et on a beaucoup, beaucoup bossé ensemble. En fait, c'est une banque. Et au début, le premier brief sur lequel on a bossé, ils voulaient faire des. Ils ont une carte avec du cashback dessus. Genre, si tu sors au restaurant, faire la fête et tout, t'as du cashback sur ta carte. À la base, on bossait sur ça, mais au final, on a bossé sur tellement de choses ensemble. Là, j'ai mis vraiment que la meilleure sélection, mais je pense qu'on en a fait peut-être une cinquantaine ensemble, étalés sur Ok. 2 ans de travail. On bosse beaucoup ensemble. Et Un des projets très cool, c'était de bosser sur la March Madness, qui est un gros tournoi de basket qui sponsorise chaque année. Et cette année, il y avait un concert à la fin du tournoi. Il était censé y avoir Taylor Swift qui venait faire un concert. Et du coup, on avait fait plein de trucs dessus et tout, mais le Covid est passé par là. Et du coup, pas eu de concert. Mais c'était.
Franchement, et en fait, ce que je trouve excellent dans faire des projets comme ça, c'est que c'est quand même une grosse banque, un nom, je suppose, assez important. Et le fait qu'ils arrivent et qu'ils me disent, genre, on adore ce que tu fais et on veut vraiment ton style, Ouais. c'est toi qu'on veut, c'est clairement tes petits dessins là, tout mignon et tout, on veut ça. Et, en fait, c'est ce que j'adore. Et du coup, tu bossais directement avec eux, ça passait pas par une agence. Si je suis passée par, c'était DBO Chicago. Non, DDB Chicago. DBO, Ok. c'est mon ancienne agence, pardon. Et non, je crois que j'ai jamais été en contact direct avec eux. Je suis passée par DDB Chicago. Mais voilà. Et ouais, je trouve ça extraordinaire, en fait. Enfin, je me rends compte que je suis chanceuse de faire ce que je fais parce que c'est vraiment très cool quand quelqu'un te contacte et te dit, je veux ce que tu Je fais. veux toi. Je veux toi, ton style. Et c'est génial, en fait. C'est vraiment quand je bosse sur des projets comme ça que je me rends compte de la chance que j'ai. Un peu dans le même style, j'ai beaucoup bossé avec Lightrix. Pareil, j'ai fait juste une petite sélection parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Alors du coup, les clients là, par exemple pour la banque, ils s'en servent où les... C'est Alors, utilisé sur quel support? la plupart du temps, c'est pour Instagram, habiller des stories qu'ils font pour des events. Ou je suppose pour que leurs utilisateurs les utilisent aussi. Je pense qu'ils ne le font pas forcément. Mais je pense que c'est surtout c'est sur eux pour des events, ce genre de choses. Par exemple, pour la March Madness, je travaille sur des spots qui tournent chaque année avec leur trio star, genre Spike Lee, Samuel L. Jackson. Donc du coup, je dois me baser sur cette campagne. C'est cool quand même de se dire qu'on bosse sur des campagnes avec des têtes comme ça. Et ensuite, ils les réutilisent dans leur campagne et tout. Bref. Et ça, c'était pour Lightrix, une boîte qui crée beaucoup d'applications. Et ils ont notamment Face App, l'appli là pour se retoucher. Je crois que ça s'appelle Face App. Et ils lançaient une nouvelle application pour créer soi-même des stories avec des jolis templates et tout. Et là, par contre, c'était encore plus cool. Ils m'ont dit, genre, t'as juste un thème, on veut tant de gifs, tu fais ce que tu veux. C'est là, genre, ok, carrément. Par exemple, ça, c'était juste des trucs en mode, genre, des trucs Instagram génériques, en mode, genre, LinkedIn bio, live, ce genre de choses. Et on a fait aussi des trucs cool. Vraiment, il y en avait beaucoup, je sais pas tout. Par exemple, ils m'ont dit, on doit faire des trucs pour Halloween, fais ce que tu veux. Clairement, fais ce que tu veux, genre. Trop bien. Du coup, c'est vraiment ce genre pour ce genre de projet que je suis contente d'avoir pris le risque de partir juste moi en free, quoi. Ouais, carrément. C'est clairement pour ce genre pour ce genre de projet. Bah, il y a Mélocoton qui nous dit c'est génial de débuter sa carrière comme ça, tu fais ce que tu aimes et on vient te chercher, tu as des super retours. Mais il y a C'est Mélanie qui ça. dit c'est de la chance, mais c'est aussi beaucoup de travail. Oui, c'est du travail, mais en fait, je pense que tout a démarré de cette page, en fait. Clairement, et je pensais vraiment pas. Enfin, j'ai 3 milliards, 3 milliards de. C'est fou, hein, c'est... C'est énorme. Et juste se dire que c'est parti vraiment d'un truc où je faisais juste bouger deux frames et ça a fini à 700 millions de vues, c'est dingue. Donc, je pense qu'il y a un petit quand même quota de chance d'avoir été là au bon moment et que ça m'a permis de bien rebondir. Je finis avec les avec les kiff kiff je sais plus. Léon nous a mis le doute. Oh, non, je sais plus. Envie. Avec un des projets vraiment cool que j'ai fait cette année, c'était pour Netflix. Ça, j'étais contente. J'étais vraiment contente. Netflix France. Et pareil on dit on a besoin de gifs pour la Saint-Valentin. Et du coup, eux, pour le coup, je crois qu'on a fait un mix de mes propositions et de leurs propositions. Mais pareil, ils ont été hyper à l'écoute et ils ont vraiment pris en considération tout ce que je voulais faire. Et vraiment hyper bonne expérience. Ça s'est fait très rapidement parce que pareil, la deadline était très courte. Est-ce que je suis espace à fonctionner? Non, c'est pas comme sur Mac. Je sais pas comment on lit Moi non plus, je peux pas t'aider. des gifs sur. Comme Ah ben ceci. voilà. Ça, c'était mon préféré. Il était vraiment trop cool. Netflix et amour. Vraiment une super bonne expérience. Mais là aussi, quand on m'a proposé ça, j'étais genre, mais waouh,
C'est tellement cool de pouvoir bosser avec enfin, Netflix qui est quand Bah même. carrément, ouais. Et est-ce que tu as des propositions de projets qui sont plus féministes et plus avec pas mal de convictions? Comment ça se passe? Comment tu trouves ton équilibre avec ça? Bah, je fais plein de petits projets avec des petites marques en fait qui viennent qui me trouvent sur Instagram la plupart du temps. C'est généralement c'est pas des projets avec le plus de budget, le plus de grands noms, mais j'en ai pas mal quand même et franchement ça me fait grave plaisir de bosser dessus à chaque fois. J'en ai quand même de temps en temps, mais la plupart du temps ouais, c'est des gens qui sont là pour les pour le reste en fait. Et au fur et à mesure je commençais à développer aussi enfin à bouche à bouche, tu vois, genre les gens font passer ton contact et j'ai vu comment. Là, il y a plein de trucs que je ne peux pas vous parler. Il y a genre des projets de print et tout qui ne sont pas encore sortis. Mais ça commence un peu à se développer en dehors des petites animations, ce qui est cool. Un projet cool que j'ai fait aussi avec une copine, c'est projet avec Epson que j'ai fait avec ma copine Tiffany Katz. Draconie sur Twitch, qui est une streameuse. Et qui. Mais. Ah oui. Je suis pas du tout habituée au PC, je suis désolée, d'habitude je suis sur Mac. Et ça faisait plusieurs fois qu'elle bossait avec Epson, mais pour genre tout ce qui était. Est-ce qu'on a un gros plan sur le sac à un moment? Ouais. Je gère pas du tout l'interface. Non, mais c'est bien, on est content. Et donc du coup, elle bossait avec Epson depuis un moment, mais pour tout ce qui était rétroprojecteur, ce genre de choses, pas forcément pour la partie print. Et elle s'entendait super bien avec son contact. Du coup, elle lui a demandé, est-ce que j'ai une copine qui est graphiste, est-ce qu'on peut bosser un projet ensemble? Donc du coup, elle avait cette idée. Au début, on était plutôt parti sur des vêtements, mais c'est chiant de gérer le stock et tout, les tailles. Du coup, on est parti sur le produit basique que tout le monde aime, le tote bag. Et du coup, elle avait cette idée de dessin depuis très longtemps, et moi, je l'ai exécuté. Et du coup, Epson nous a gentiment fourni les sacs et les a imprimés eux-mêmes pour qu'ensuite hein, qu'on puisse bah, les vendre, tout simplement. Trop bien. Donc du coup, c'était une super collab qu'on avait fait des petits shootings et tout. Mais c'était grave cool de. Je crois que j'avais sorti la vidéo. Où Ouais, elle on avait vu ça. filmait, chez Epson. Du coup, on était y allé une première fois pour voir un peu comment on allait faire ça, la taille et tout. On avait fait une première impression nous-mêmes. On avait un peu mis la main à la pâte. Et c'était trop cool de. Enfin, on était dans les locaux d'Epson et tout. Et c'est la première impression était ratée. Voilà. C'est le premier cookie qui sort du four. Regardez comme Tiffany travaille bien. Oh là là, c'est incroyable. Et du coup, on a imprimé les premiers nouveaux, mais après, ils sont partis en imprimerie. Mais Okay. c'était vraiment trop cool. Donc du coup, de nouveau du textile comme projet, mais cette fois-ci avec une amie, et c'était vraiment très sympa. Et du coup, vous en avez fait quoi les sacs? Vous les avez vendus? Vous les avez... On les a vendus, il nous en reste encore un peu sur les bras, mais on a vendu... on avait fait... Parce que du coup, là, pour le coup, c'était pas comme avec Bisbee. On avait les produits, nous, chez nous. On a des Ouais. gros cartons de sacs dans nos 2,40 mètres carrés. Donc, avec les enveloppes et tout. Donc, du coup, je crois qu'on a fait ça sur la première journée. On a passé vraiment toute la journée à plier, à marquer les adresses et tout. Et on est parti le soir à la poste. On avait genre un gros caddie, le caddie de course Ouais. rempli d'enveloppes. On a tout envoyé nous-mêmes. On a imprimé les timbres et tout. Mais bon, c'était un projet qu'on a fait. Je sais pas si. Non, il n'y a plus d'image après. C'était un projet vraiment cool à faire avec une amie, quoi. Et merci à elle, d'ailleurs, qui m'a mis sur le projet, parce que c'est elle qui avait le contact Epson à la base. Alors, je savais même pas qu'il y avait des grosses imprimantes Epson qui pouvaient imprimer sur du textile. Bah, ça, c'est chez eux, par contre. C'est cool, hein? C'est dans leurs locaux. On a fait le tour et ils ont plein, plein de... Il y en avait tellement, je ne sais plus, mais vraiment... Tant de choses, il y avait aussi pour imprimer sur les mugs et tout. Ah Non, trop ouais. bien. Et on s'est pas arrêté là, donc du coup, on a fait ensuite, quelques mois plus tard, on a fait un pack de stickers ensemble
avec Epson, de nouveau, qui ont fourni à Tiffany une imprimante EcoTank, donc du coup avec des encres liquides qu'on met nous-mêmes dans l'imprimante, qui sont hyper longue durée. Et du coup, avec cette imprimante, on a fait 500 stickers à nous. Et du coup, on a fait un petit pack que les voici. Tout a été pensé par Tiffany. Ça fait longtemps qu'elle avait les idées dans la tête. Et moi, j'ai été la petite main qui les a reproduits. Et du coup, pour le coup, c'est son style à elle. Parce que moi, forcément, moi, je suis très pastel, très colorée. C'est l'inverse de moi. Mais il y a quand même un peu ma patte graphique. Ouais, je trouve que c'est la rencontre entre vous deux et on est vraiment à mi-chemin, c'est cool. Ouais, vraiment, c'est hyper sympa. Et du coup, là, pareil, c'était encore plus galère que les sacs parce que là, il fallait produire carrément le produit, donc du coup on a fait deux après-midi chez moi, du coup avec ma machine de découpe, et on en a fait 500 qu'on a ensuite tout emballé, et ensuite pareil, genre emballé, mettre les timbres, les adresses et tout, ça nous a pris du temps. Là pour le coup on a tout vendu, il y avait 100 packs de 5, et ils sont partis en deux jours. Ok. On n'a pas fait de nouvelles éditions. Ouais. Parce que vous voulez que ça reste un peu exclusif. Et du coup, voilà. Puis bon, vu que ça fait déjà deux fois qu'on bosse sur des projets et que ça se passe bien, moyen qu'on refasse un truc ensemble, je pense. Donc voilà, c'est deux projets que j'ai fait avec Epson et Tiffany. Et c'était très cool. Bah, surtout quand tu sors de print et faire un truc avec une grosse marque comme Epson d'impression. Ouais, c'est trop bien. C'est aussi cool. Et le dernier petit projet que je voulais montrer, pour le coup, c'est vraiment un petit projet. Non, c'est pas du tout là. C'était une amie qui était chez une marque de cosmétiques, Field Unique, à un moment. Et pareil, pour le 8 mars, elle m'avait dit... elle me demandait tout à l'heure si j'avais d'autres projets féministes. Là, pareil, elle m'a dit, tu voudrais que tu nous fasses un fond d'écran qu'on proposera pour le 8 mars. Et pareil, genre, assez sujet libre et tout, fais ce que tu veux. Et il avait bien marché en plus, les gens étaient très contents. Donc voilà. Il n'y avait pas de doigt d'honneur ce jour-là. Non. Et quand tu mêles féminisme brief large et libre, c'est exactement pour ce genre de projet que je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo. Est-ce que des fois tu as des retours T'as les anti-féministes qui viennent t'attaquer un peu, ou ça va? Il y en a toujours, surtout la plupart du temps c'est sur Twitter, évidemment. Je pense que c'est la plateforme la plus difficile. Là où il y a le plus de militantisme, mais il y a le plus de contrepartie, il y a le plus de gens qui sont très en colère contre ça. Mais sinon, sur Instagram, je n'en ai pas du tout. Et de toute façon, si on me suit, c'est généralement qu'on est d'accord avec ça, en fait. Donc, bon. Mais avant, j'étais très engagée sur les réseaux sociaux, et maintenant, je peux plus, après, m'être pris quelques harcèlements dessus. Ah, du coup, toi, t'as quand même eu des trucs. Ah oui, mais je pense que toute femme sur Internet qui, à un moment, a ouvert sa bouche pour dire que ça n'allait pas, on s'est toutes pris des vagues de haine dans la tête. Et ouais, c'est clairement. Quel conseil tu donnerais à celles qui n'osent pas trop se lancer, tu vois, qui ont envie de faire des trucs comme ça, mais qui ont peur de se prendre les vagues comme ça? Bah, il faut oser, mais là après ça reste des trucs soft, tu vois, genre c'est joli avec des fleurs et tout. Là où j'avais eu quelques remarques, c'était dès que tu commences un peu à rentrer dans le pas trash, parce que le sang des règles, c'est pas trash, enfin c'est naturel, mais tu vois, dès que tu commences à rentrer dans des trucs un peu plus naturels comme ça, ou quand je dessine des meufs grosses avec des vergetures, là il y a commence un peu plus à être difficile, mais quand tu fais des trucs mimi comme ça avec des fleurs, clairement, c'est... Je crois que si... Ah non, je crois que j'ai archivé l'illustration, mais j'avais fait une illustration d'une meuf avec de grandes poches en disant que
Disons qu'on aimerait bien des poches sur nos vêtements pour mettre des trucs. Parce que vu que nous, des vêtements de meufs, généralement, tu as des toutes petites poches, voire t'en as pas. Et j'avais eu un commentaire d'un mec en dessous qui m'avait dit, mais même des poches, pourquoi faire? Pourquoi tu veux des poches? À quoi ça te servira? Mais pour mettre des choses dedans, laisse-moi tranquille. Genre, mais qu'est-ce que ça t'enlève qu'on ait des poches? Oui, clairement, toi, ça va rien Il changer à faut ta vie, avoir des mais. poches. Moi, ça va. Mais sur Instagram, c'est très très rare. C'est vraiment sur Twitter, c'est plus virulent. Donc, je conseillerais de d'abord poster sur Instagram. Et de toute façon, il faut. Enfin, de toute façon, il y a toujours le moyen de se protéger, de se mettre en privé, de bloquer les gens et tout. Mais faut rester quand même prudent et essayer de se protéger un maximum parce que les gens s'en foutent clairement. Ouais, et puis il faut s'entourer de gens bienveillants et amour. Alors la semaine dernière, on a reçu Arnaud Huc, qui est réalisateur et qui fait plein de trucs. Et en fait, il est super engagé aussi. C'est super bien. Et vraiment féministe et tout. Et il disait il se battait contre ça et que pour lui, c'était pas évident. Enfin, il voyait à quel point c'était compliqué pour les nanas dans le milieu du cinéma, dans le milieu machin. Il réalise Sinkerview et. Il bosse pour Sinkerview, je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube, et il disait que ouais, c'était compliqué de trouver des femmes qui voulaient bien venir parler. Et j'étais très surprise d'entendre ça en fait. Je pensais que c'était pas. Je Ah, pensais qu'il y avait plus. Enfin, je pensais pas que c'était qu'il y avait autant de choses mais il y a une haine vraiment pour de. lesquelles il fallait se battre encore. Ouais, carrément. Ah non, mais Donc bon. c'est. Moi, j'en parle plus du coup quasiment sur Twitter parce que je préserve ma santé mentale. Et je pense que j'ai beaucoup de copines on est toutes passées un peu par le même chemin qui remettait un peu en place des vieux gars avec des vieux propos. Mais le problème, c'est qu'en France, on est très très mal protégés. Même si ça va trop loin et que tu vas à la police, ça n'aboutira pas à grand-chose. Donc, du coup, faut vraiment. Maintenant, je fais attention, je me préserve, je reste un peu dans mon coin. Je dirais pas que je me restreins parce que je fais encore des. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu penses que tu te censures et que tu... Sur Instagram, non, je continue à faire des meufs avec des femmes, avec des vergetures et tout. Et je m'arrêterai pas parce que je pense que le milieu est un peu plus safe. Mais je fais plus attention. Je fais plus attention à moi. Je vais moins répondre aux gens sur les réseaux sociaux. J'ignore, je supprime, je contre-attaque pas parce que ça peut. Enfin, j'ai déjà vu des trucs dégénérer. J'en ai fait les frais aussi, donc voilà. Mais bon, c'est ça, être une femme sur Internet, c'est ça, être une femme qui fait des trucs féministes. On le sait, on se protège entre nous, et c'est l'essentiel. Donc faites Ouais, attention. je pense qu'il y a pas mal de gens qui se rendent pas vraiment compte en fait de ce qui se passe derrière. Donc bah, c'est cool, merci d'en parler, tu vois. Non, il n'y a pas de souci. Il faut bien que mon expérience, elle serve à d'autres gens. Et du coup, voilà. Enfin, je crois que j'ai fait le tour d'ailleurs de. C'était vraiment je pense, les projets que j'ai préférés. J'ai préféré travailler avec des gens les plus cool aussi, parce que j'ai pas forcément envie de montrer les gens qui sont pas cool. Et donc du coup, ça c'était vraiment avec les vraiment des tous des clients très très gentils, et je les remercie tous de m'avoir fait confiance. En tout Allez, cas, est-ce qu'on ouvre une petite démo, un fichier une pour petite démo. voir comment ça marche, carrément? Alors, généralement, on peut. Alors, attends. C'est quoi ton process? Tu commences à dessiner Alors, ça dépend à la des. main ou... J'ai toujours des vieux sketchs sur un cahier qui sont vraiment pas beaux, mais juste pour savoir quelle forme ça va avoir. Ouais. Parfois, je dessine sur la tablette. Parfois, quand c'est juste. Je sais que la typo, ça va être le principal atout de mon gif. Je passe directement que sur Illustrator. Et ensuite, je passe sur Photoshop. Alors, attends. Va passer sur celui-là. Alors, ça, par exemple. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ignorent, mais on peut faire beaucoup d'animations avec Photoshop. C'est comme ça Waouh. que moi, en tout cas, j'ai. Tout ça, comme... En tout cas, comme ça que j'ai démarré. Et Ouais. parce que After Effects, ça peut être
Enfin, moi, j'avais déjà essayé d'apprendre par moi-même, ça n'avait pas du tout fonctionné. C'est en cours que là, ça a été. J'ai pu comprendre, mais sans savoir After Effects, il y a quand même Photoshop qui est. Qui a des possibilités cool. Bah, il ouais. y a Franck qui a fait un cours, qui a fait exactement ça, animation dans Photoshop la semaine dernière. Je vous invite à aller voir ça. Mais il a fait des trucs, je savais même pas que ça existait. J'étais là, genre, en fait, je ne sais rien. c'est fou. Du coup, j'avais fait. J'avais sorti un fichier vierge avec juste. Avec juste un truc dessus pour montrer un peu. Alors, grandir la chose. Donc là, je suis sur Photoshop. C'est avec. Si je veux faire une animation basique, c'est avec ça que je travaille. Car okay. Franchement, c'est hyper. Et en plus, on peut exporter directement en GIF depuis Photoshop. Du coup, je conseille. Il faut d'ailleurs, je pense, absolument que l'objet soit un objet dynamique Photoshop. Ce qui est déjà le cas. Et ensuite, on va dans Fenêtre. Bon, là, elle est déjà ouverte. Fenêtre, montage. OK. Il y a deux possibilités pour faire des montages dans Photoshop. Il y a cette première qui fonctionne comme After Effects, c'est-à-dire avec un système de clés. Et ça peut paraître un peu confus d'abord, mais c'est pas tant que ça. Par exemple, on va se dire qu'on veut le faire bouger légèrement. On va mettre une première clé, par exemple. On va dire que je veux commencer comme ça. On met une première clé, qui est la petite boussole en bas à gauche, ici. Et vu que je veux que ça soit une loupe, que je veux que ça fasse une boucle parfaite, on va dire que l'animation, elle va durer une seconde et 10 frames, je veux qu'elle revienne exactement comme ça. Ok. Comme ça, comme ça, elle me fera une boucle parfaite. Ouais. Et je vais au milieu. Et là, c'est là où je bouge très légèrement mon petit citron. Et là, magie, il bouge par... Et ça y est, c'est fini, un truc qui bouge dans Photoshop. C'est magique. Ça, c'est la première méthode pour le faire, qui reprend un peu les clés dans After Effects, très très simplifié, cela dit. Et je crois qu'il y a encore plus simple. Je vais juste supprimer mon montage. Est-ce qu'on peut changer la forme des clés, là, comme dans After ou pas ? Le lissage de vitesse ? Voilà ça. C'est ce que j'allais dire. Avant, je faisais toutes mes animations comme ça parce que je touchais pas trop à After, mais maintenant, dès que. En fait, je fais juste mes animations sur Photoshop maintenant avec la deuxième solution. C'est-à-dire. Donc, du coup, on a cette première possibilité de montage, mais on a aussi une deuxième. Il faut cliquer tout en bas à gauche, les trois petits carrés. Et on a une nouvelle manière de monter. Cette fois-ci, c'est juste avec des... On n'a pas de timeline. Okay. On a juste des carrés. Des carrés avec des secondes. C'est-à-dire, par exemple, cette première frame, si je ne la modifie pas, elle durera 5 secondes. Donc, du coup, il faut au minimum 2 frames pour avoir une animation, forcément. Du coup, déjà, les deux, je vais les modifier parce que 5 secondes, c'est beaucoup trop long. Généralement, je me mets à 0,2 ou 0,3. La virgule. Et là, ça fonctionne en système de calque comme on a l'habitude de faire sur Photoshop, c'est-à-dire que ma première frame, je veux que ce soit ce citron-là. Et sur la deuxième frame, je vais dupliquer mon premier citron. Duplique. Et je vais le modifier très légèrement comme on a fait tout à l'heure. Hop, et du coup, je vais cacher le premier citron. Je reviens sur la première frame, je cache forcément le deuxième. Et du coup, on a un autre style d'animation un peu plus saccadé. Par exemple, c'est ce que j'ai fait. Je le fais encore parce que j'aime bien aussi ce genre d'animation un peu saccadé frame par frame. Sur mes gifs d'Apex, c'est exactement ce que j'ai fait pour les personnages. J'ai pas fait pareil pour les accessoires. C'est un parti pris. C'est pas fluide comme quand on a fait avant avec les clés. Ouais, mais c'est marrant. Mais c'est aussi tout à fait marrant et ça prend 2 secondes comme on a vu. 2 secondes et demie, c'est un peu magique. Et je peux montrer aussi comment exporter parce que c'est là où il y a parfois un peu des
C'est un peu parfois. Je pense qu'il faut le savoir pour. J'ai galéré la première fois, je ne savais pas du tout. Il n'y avait personne pour m'expliquer. Du coup, si je veux en faire un GIF normal, je laisse mon fond, forcément. Mais si, par exemple, il y a des gens qui veulent faire comme des stickers. Des stickers GIF, c'est-à-dire qu'un fond transparent, faut l'exporter en fond transparent. Donc du coup, je cache mon fond, je vérifie qu'il est caché sur les deux frames. On va dans fichier, exportation, enregistrer pour le web. Ok. Donc là, on a notre fenêtre d'exportation. Il y a deux choses très importantes. Bon, déjà, la taille est un peu élevée là, mais moi je les exporte généralement en 1500 par 1500 sur Giphy, il les resize, il les retaille lui-même. Mais ce qui est très important, c'est que du coup, d'avoir la case transparence et de bah, dans le truc déroulant, mettre GIF aussi. Exactement, oui, exactement. Oui. Parce que sinon, il y a des JPEG, des voilà, types de PNG. Ouais. Forcément. Et le truc, parce que si on exporte juste comme ça, avec Internet Explorer, yes, merci. Je vais juste l'enregistrer comme ça pour montrer. Dans ça existe book. Encore Internet Explorer, toi ? Apparemment, il est sur cet ordinateur. Nous venons tous de le découvrir en même temps. Si on exporte juste comme ça, t'as un vieux. Trop bien. T'as un liseré blanc autour. Exactement. Qui. Mais du coup, ça ressemble vraiment à un sticker. Moi, je pensais que c'était fait exprès. Mais je pense que tout est lié, en fait, le fait que je fasse des stickers et que je fasse aussi des stickers GIF, beaucoup de stickers dans ma vie. Mais juste, du coup, pour l'exporter bien, bien proprement, il faut juste décocher dans cache, ici. D'accord. Il faut mettre 100. Et ça, parce que je commençais à faire des GIF vraiment au tout début, quand il n'y avait pas beaucoup de tutos, maintenant il y en a plein. Et du coup, j'ai galéré à trouver la solution. Du coup, maintenant, quand je donne des conseils, juste ça, transparence. Et sans cache. Et du coup. Et alors, est-ce que t'es limité au niveau des couleurs ? Sachant que moi, je fais beaucoup d'aplats, pas trop. Par contre, il faut vraiment. Là, je l'ai fait en vitesse, le citron, tout à l'heure. Il faut vraiment faire attention, pas dépasser de ces lignes. Tu vois, j'ai un tout petit. Parce que lui, forcément, le format GIF va compresser vraiment toutes les couleurs et t'as pas le sens du détail comme tu peux avoir avec un JPEG ou un PNG. Donc du coup, forcément, si tu travailles avec beaucoup de dégradés, beaucoup de détails, t'auras pas tout. Je conseille vraiment à travailler avec des trucs. Et ça marche mieux avec des illustrations plutôt que des photos, des trucs comme ça. Je t'avoue que j'ai jamais essayé avec des photos. Je crois que le seul truc qui diffère un peu des illustrations, c'est quand j'avais fait ça pour Tiffany, je lui avais hébergé sur mon Giphy. Mais en soi, je crois que j'avais dû prendre ça dans JPEG, mais en soi, ça, c'est clean. Ouais, c'est clean. Je sais pas du tout. Moi, je suis quasiment que sur de l'illustration. Donc ça c'était pour faire avec Photoshop. Est-ce que tu veux que je montre comment faire sur exporter sur After Effects Bah ouais, carrément, on a un peu de temps si tu. Allez, c'est parti. Donc du coup ça c'était la méthode très simple pour faire sur Photoshop. Vraiment, il y a pas besoin de savoir beaucoup de choses. Et il y a aussi après du coup tu peux faire. Là j'ai montré vraiment en 2 secondes, mais t'as aussi des trucs d'opacité. Et donc, du coup, tu peux faire partir comme là, j'ai fait genre, des petits cœurs et tout. Tu peux, franchement, sans savoir se servir de After, avec Photoshop, tu peux faire vraiment, vraiment beaucoup de petites animes. Et je conseille vraiment le tuto de Franck aussi. Même moi, j'ai appris des trucs. Il est vraiment trop, trop bien. Ouais, il sait tout. Il y avait des trucs, j'avais même pas. C'est extraordinaire. Du coup, après, si on veut faire des animations un peu plus poussées, je conseille de passer sur After Effects. J'ai montré par exemple sur les derniers que j'ai fait, les tout derniers récents. Donc, parce que par exemple, là, quand on met des clés pour faire bouger notre objet. Voilà, parfait. Donc là,
on a exactement le même système de clés qu'on a vu tout à l'heure sur Photoshop, sauf qu'on a beaucoup plus d'options. Avant, sur Photoshop, le rotation, échelle, position, tout est concentré dans transformation. Ici, on a les trois bien détaillés. Donc du coup, en soi, je pourrais exactement faire la... Je vais recommencer pour faire l'animation avec vous. Je pourrais juste mettre mes clés comme j'ai fait tout à l'heure. Genre, je mets une première clé au début de ma timeline, une deuxième à la fin pour que ça revienne bien, au milieu à peu près, et je lui dis de rotationner. De tourner ? De tourner ? De rotationner. Mais sauf que l'animation, elle est un peu... tu vois, elle est un peu bim, 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 bim. Ouais, c'est un peu robot, c'est trop régulier. C'est pas... C'est mignon, mais c'est pas fou, on peut faire mieux. Et du coup, je m'embête à ouvrir After Effects vraiment juste pour faire ça. Tu sélectionnes toutes tes clés, clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Et là, en fait, ça va légèrement ralentir l'animation quand elle arrive à sa clé, en fait. Donc du coup, ouais, forcément, ça... C'est plus smooth. Ce qui, là, ça marche bien, mais par exemple, quand t'as des trucs... par exemple, ce petit robot, quand t'as des trucs un peu plus... Par exemple, si j'enlève... Est-ce que je peux l'enlever, le lissage de vitesse? Non. Je sais plus, il y a un raccourci quand t'appuies sur les clés, je crois, mais... Je suis plus assez... Je suis pas assez forte. Je sais plus. Mais du coup, là, par exemple, sur des petits robots comme ça, tu vois, enfin, où ouais, vraiment un effet de lévitation, c'est hyper important parce que sinon, sinon le truc. Ouais, sinon ça a l'air bizarre. C'est vraiment pas très joli. Et juste pour mettre trois clés sur After, il y a pas. Je pense que c'est plutôt. Non, c'est dans la position par contre. Je suis trompée. Si je recommence, position, que je le descends un peu. Mais voilà, ça nous fait pas du tout le même rendu. C'est pas du tout smooth. Ouais, carrément. Et du coup, pour exporter, parce qu'en fait, à moins qu'on achète un plugin pour After Effects, on ne peut pas exporter directement en GIF depuis After. Ok. Donc ça aussi, j'ai mis du temps à savoir comment exporter en fond transparent. Du coup, on ajoute notre compo à la file d'attente de rendu. Pas de media encoder, juste celle de After Effects. Et du coup... J'ai cliqué sur module de sortie. C'est dans la sortie vidéo que ça se gère. Il faut sélectionner RVB plus alpha. Profondeur, okay, on ne change rien. Et pareil comme quand on a fait tout à l'heure sur Photoshop, il faut enlever le cache. Donc direct sans cache. OK. J'ai un doute sur les paramètres. Moi, j'ai pas les mêmes paramètres généralement quand je fais mes rendus sur mon ordi. Au moins, c'est des rendus qui vont vite. Hein, et... Ah, là, le PC, il est bien fait pour nous sortir des petits rendus en 2 secondes. Et normalement, du coup, ça me rend une vidéo que normalement. Je vais ouvrir sur Adrien qui nous donne un conseil. Il dit petit plugin After pour le lissage de vitesse un peu plus personnalisé. Keyframe Wingman de Mr. Horse. Tout bête et efficace. Écoute, je merci. Savais pas. Merci beaucoup. On va regarder ça. Et il y a Irina qui demande est-ce que tu crées les typos qu'on a vus ? Non, du tout. Je suis. C'est pas du tout un domaine que je maîtrise. Par contre, j'en utilise beaucoup, beaucoup. J'ai clairement un budget typo tous les mois. D'accord. Clairement, j'aime beaucoup les jolis typos, mais clairement, je c'est vraiment pas un domaine que je maîtrise. En plus, ça me fait plaisir d'en acheter et de soutenir des typographes qui, clairement, eux, savent ce qu'ils font. Et du coup, j'ai ouvert ma vidéo sur Photoshop, et du coup, on va faire exactement la même démarche que tout à l'heure, enregistrer pour le web. Ouais, mais du coup, on a reçu Jean-Loup Fuse, c'était ça la semaine dernière, qui nous disait, dans sa sélection de typos, il choisissait en priorité des typographes vivants pour pouvoir qu'ils bénéficient des droits, quoi.
Mais Donc j'ai trouvé pareil. que c'était une réflexion intéressante, quoi. Mais sur. Mais la plupart du temps, je les prends sur Etsy. Parce qu'il y a souvent des petites pépites. Et on ne sait pas qu'on peut forcément qu'on peut acheter ça sur. Il y a des typos sur Etsy. Il y a des typos sur Etsy. Genre, Ok. j'ai une créatrice que j'aime trop qui a fait mais vraiment des très belles, mais pour pas cher, en plus pour genre 5 euros. Et c'est génial. Et du coup, enfin, je me dis, moi, ça me coûte pas grand-chose. Et elle, ça la soutient. Et surtout, du coup, j'ai une belle bibliothèque de typographie. Trop bien. Donc, du coup, ouais, si j'enregistre un truc un peu gros. Mais du coup, voilà, globalement, comment on fait des gifs avec Photoshop et After Effects, et surtout comment on les exporte proprement. Et après, du coup, on les balance sur Giphy. Alors, il y a Greg et Jordan qui nous disent avec Media Encoder, on peut exporter des GIFs. Mais pas sur. Bah, en tout Génial. cas, sur Mac, je. Écoute, il y a peut-être une mise à jour. On va. Moi, je vous avoue que je ne suis pas du tout spécialiste de After Effects. Et je vais prendre les infos et on va vous dire ça. Mais ouais, vous avez sûrement raison. Ce que je Parce que crois, ça paraît tellement énorme que ouais. ben, je crois qu'on m'avait dit sur PC c'était en effet possible, mais j'ai un point d'interrogation sur Mac en effet. Parce que là je suis sur un PC, mais c'est juste pour le live, c'est exceptionnel. Mais je veux bien savoir aussi, si vous voyez, il y a un truc que j'ai manqué, une mise à jour que j'ai manqué, je suis pas au courant, j'aimerais bien. Ouais, parce que comme ils font de toute façon avec le cloud, toutes ces choses-là, en fait. Et il y a aussi possibilité de faire des retours à Adobe. Vous pouvez aussi leur envoyer des suggestions de oui, les mecs, on aimerait bien pouvoir exporter des GIFs sur After. Donc si ça n'existe pas encore, n'hésitez pas à les contacter. Mais Parce que c'est les petits messages comme ça qui font qu'ils prennent le truc en charge après et qu'ils s'en occupent. je suis quasiment sûre que sur Mac c'est pas possible parce que même j'ai récemment j'ai fait un. Alors, Jordan, il nous dit sur Mac, on peut. Eh ben, écoute, Ah on va ben. regarder ça. On va attendre que Franck rentre de vacances et il va nous illuminer J'allais regarder maintenant, mais en fait, non, je suis sur le PC. sur les mises à jour. Mais carrément, je veux bien savoir comment on fait. Ça me sauverait la vie, carrément. Ouais, carrément. Ça me sauverait beaucoup de temps et de fichiers très lourds à exporter. Bah, écoute, oui. Greg dit, je l'ai fait dernièrement, je suis sur Mac. Bah, écoute, on va regarder ça. Du coup, trop bien. Carrément. Ah, bon, on apprend les nouveaux trucs. Carrément. Franchement, j'aurais appris un truc sur ce live, ça va me sauver du temps. Bon, franchement, merci Greg. Hop. Et je pense que voilà, Bah écoute, on est dans le timing parfait. on a fait le tour de on a Si fait le vous tour. avez des questions dans le chat pour Molly, n'hésitez pas. Apparemment, on a plus de questions pour vous et vous avez les réponses, mais du coup, c'est chouette, c'est une vraie discussion. Et franchement, je suis contente d'être venue juste pour ça, juste pour avoir. Ouais, non mais carrément. Et aussi, alors, n'hésitez pas, si vous voulez poursuivre la conversation, à nous rejoindre sur le Discord. Ça peut être bah, l'occasion de mettre ce genre de choses au clair, de partager les liens et tout. Moi, je suis curieuse que tu partages les liens de tes typos sur Etsy. Je crois que c'est Irina qui disait que c'est une révélation. Ouais, elle savait pas non plus qu'il y avait ça. Attends, j'ai. Là, forcément, je suis pas connectée, donc. Je sais que j'avais acheté une typographie. Voilà. C'est Trop bien. cette fille, c'est KA Font Designs. Elle en a vendu plein. Et elle fait vraiment plein, 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 plein. Ah ouais, il y a plein plein de trucs, ouais. Il y en a pour tous les goûts, elles sont pas chères, elles sont propres ces typos aussi, sont bien. Je crois que je sais plus laquelle j'ai achetée récemment, et genre, ouais, c'est celle-là que j'ai achetée récemment, qui est toute mignonne. Et bah, c'est cool de soutenir les petits créateurs comme ça. Ouais, carrément, c'est Donc trop bien. voilà. Mais on peut même acheter des mock-ups, on peut acheter plein de trucs sur Etsy. Bah, les mock-ups, je savais. Et si vous voulez faire vos propres typos, regardez aussi, jetez un coup d'œil à Fontself. Ça, c'est pas mal. Et comme ça, parce que ça gère aussi tous les approches, j'allais dire, c'est pas les accortements, c'est pas la machin, les approches entre les lettres. Donc ça peut être aussi un outil de créa un peu cool pour ceux qui ont envie de se jeter à l'eau. Et bah écoute, je crois qu'on n'a pas de questions.
Voilà. Bah écoute, Parfait. merci Molly d'être venue. Merci C'était à toi. cool. C'était un bon moyen de débuter la semaine. Gentiment. Bah du coup, moi je vous retrouve demain. En fait, je suis là tous les jours cette semaine. Stéphane sera pas là, mais on sera là quand même. Et bah merci Molly. Merci à toi. Merci Alexandre qui s'occupe de derrière que vous voyez pas. Et je vous fais des bisous. À demain tout le monde. Salut!